Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'SOS Accessoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un programme test sur ce lave-vaisselle Whirlpool de la gamme Indesit. Ce programme test a pour but de tester tous les organes du lave-vaisselle et il garde également en mémoire les trois derniers codes panne, ce qui peut être utile si jamais on a décelé une panne mais qu'on se souvient plus du code erreur. Si vous avez un code panne et vous voulez savoir à quoi il correspond, je vous invite à regarder cette vidéo pour vous aider. Allez, on s'abonne et on y va. Commencez par appuyer sur le bouton ON. Ensuite, appuyez sur la touche Programme deux fois. Éteignez votre appareil. Rappuyez sur la touche Programme deux fois. Le signal sonore retentit. Appuyez à nouveau sur le bouton ON et vous avez AT qui s'affiche, qui veut dire autotest. Appuyez sur la touche départ et si jamais votre appareil a décelé un code panne, l'autotest ne démarrera pas tout de suite. Il affichera d'abord les trois derniers codes erreurs et ensuite se mettra à démarrer. Par contre, s'il n'a pas de panne du tout, l'autotest va démarrer tout de suite. À la fin du test, si votre appareil va bien, il devrait s'éteindre. À l'inverse, s'il a un souci, il va vous afficher un code panne. Voilà, vous savez comment effectuer un programme test sur les lave-vaisselle Whirlpool de la gamme Indesit. Bonne réparation et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.